Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. La parole du Seigneur. Dis-moi qui va côté là. L'Esprit bon Dieu n'a moins. Et moins agit selon l'Esprit. L'Esprit bon Dieu avait. Et m'a marché selon l'Esprit. Bon Dieu avait. Lit pour moi. Et le pape contre moi. Amen. Écoutez ceci. Maintenant, nous voulons centrer sur le Saint-Esprit. Il y a une précision qui est capable de prendre concernant le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez ceci. La Bible dit qu'on sent que dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, adore en esprit et en vérité. Qui révélation que nous avons dans verset ça? Qu'est-ce qu'a fait Bouya? Voilà. L'esprit, c'est bon Dieu, et bon Dieu, c'est l'esprit. Ou même si même peut-être au cas venir pour la première fois, ou bien ancien membre de l'église là. Écoutez ceci. L'église Borisia, nous c'est pentecôtiste. Nous croyons en manifestation du Saint-Esprit. Nous croyons en parler en d'autres langues. Et nous croyons en discernement de l'Esprit. Et nous croyons dans la prophétie. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 a continué. Écoutez ceci. La Bible parlait de Saint-Esprit. Voyons que Dieu est esprit. Et esprit est Dieu. Mais la grande question est que Gémoun qui chita à l'église qui pas comprendre la puissance et la grandeur, le pouvoir de l'Esprit Saint. Je vais vous dire au bagage matin. Sans l'Esprit Saint, on n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. Les grands hommes, tels que prophète Esaïe, ils n'ont pas fonctionné sans l'Esprit Saint. Prophète Jérémie, que mon Dieu t'a choisi à 16 ans, il n'est pas qu'à fonctionner sans l'Esprit Saint. Ézéchiel, le prophète, il n'est pas qu'à fonctionner sans l'Esprit Saint. Autrement dit, Dieu, sa parole, l'Esprit. Maintenant, qui ça l'esprit a eu? Yo fait qu'on est, selon la grande signification de l'esprit, c'est l'esprit lui-même. Et l'esprit, ça, il est manifesté et il est symbolisé en vent. Ça, on les souffle. Non seulement il est manifesté en souffle, l'esprit de Dieu, les mêmes manifestés en du feu. Raison pour laquelle que l'Esprit de Dieu manifesté en du feu, l'Éternel dit, je suis un Dieu dévorant. Le feu dévorant. Maintenant, on peut le faire remarquation. Lorsque dans Jean chapitre 4 verset 24, il dit Dieu est esprit. Et
l'Esprit lui-même est Dieu. Tout le monde qui est dans l'église, ou pas quoi dans la manifestation de l'Esprit, ou pas qu'au chrétien. Besoin amène là. Dans la première église de Jésus, le jour de la Pentecôte, pour le peuple là, t'es capable de comprendre bien, l'Esprit de Dieu lui couvrit ni monde qui te croit dans mon Dieu et ni monde qui pas croit dans mon Dieu. Et pendant que nous ne pas croit dans mon Dieu, nous venons réaliser que le Yahweh miracle s'est fait, il a dit gagner ou bagaille qui existait. Il a cherché qu'on est. Yahweh que le Créateur existe. Le Créateur existe. Qui est le Créateur? Il y aurait le Yah, Yahvé, Yahweh, Dieu, éternel. C'est lui-même qui est Créateur. La Bible dit qu'on sent que tout le monde qui péchait ou bien qui parlait mal contre le Fils de l'homme, bon Dieu capable de pardonner le Créateur. Allons faire un petit étalage là. Il y a un peu de monde qui est dans l'église. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas cru dans la prophétie. Ni la manifestation de l'esprit. Nouvelle et message que mon Dieu ban moi pour moi aujourd'hui. La Bible dit qu'on sait que si toutefois on parle l'esprit bon Dieu mal contre action, contre manifestation, ou pas gain droit jamais joindre par devant mon Dieu. Deuxièmement, il dit, mais moun qui péchait contre le Fils de l'homme, ou qu'a jeune pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous connaissez que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Maintenant, lorsque Jésus était sous terre, pendant que la vive, ou t'es qu'il doit pécher contre Jésus, ou t'es qu'il doit faire manger sous lui ou pas bali, ou t'es qu'il doit dire qu'ils sont pécheurs, parce que jusqu'à maintenant, il y a un monde qui dit Jésus, t'es qu'il y a madame, il va te faire un monde comme ça. Ça, c'est blasphème. Il a blasphémé Jésus. Il a pris dans la bouche monde, et puis il a vidé le dehors. Malheur à monde qui tendait une parole, lui répétait à bouche, condamnation pour la pire. Maintenant, écoutez ceci. Jésus, c'était 100% homme et 100% Dieu. Vous n'avez qu'à faire Jésus habillé, parler le mal, tel que monsieur était bon côté Lyon, c'était Belzébul, Jésus t'a servi, c'était Belzébul, il t'a levé mort, c'était Belzébul, il t'a guéri, et vous avez poussé des mots, allez, it's all right. La Bible dit qu'on sait, it's okay, it's all right. Do you know why? Parce que Jésus était 100% homme. Et en même temps, il était 100% Dieu. Et pendant ce temps qu'il était 100% Dieu, d'un côté, puis devant, pas qu'à venir pécher contre lui encore. Parce que Jésus, le corps de Jésus, le corps physique de Jésus n'existe plus. Mais la puissance qui était en lui, le Dieu qui était en lui, l'esprit du Créateur qui était en lui, c'est lui-même qui demeurait. Il fait partie du gouvernement céleste. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, pendant ce temps, il dit, faites attention. C'est comme si, ou qu'a péché contre ce débourra.
ou qui a péché contre Sœur Pierre, ou qui a péché contre Diaconesse Montreau, mais ou pas qui a péché contre l'Esprit de Dieu. Là où est un monde, quel que soit n'importe sale t'a fait, ou pas quoi là-dedans, que ou utiliser sagesse pour chercher qu'on est plus. Parce que le monde qui est intelligent, il agit sagement. Pendant l'agir, l'apprendre. Ou gen loi right, ou gen loi péché. Mais fais effort pour pas pécher. Maintenant, il dit comme ça que moun qui péché contre Saint-Esprit, il pas jamais pardonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Techniquement parlant, ou parler mal contre ça, bon Dieu dit, ou pas qu'il doit pardonner. Contre cet esprit, ou pas qu'il doit pardonner. Gen moun ki vin la ou di, bon, moun vin pa son titan, bon, moun pa kwen nan sa, non pa kwen nan sa. I am sorry for you, my friend. It is time for you to get your conscience, to grow your conscience, to activate your conscience from the Lord. Aïe, pas capable de faire divinement sans le Saint-Esprit de Dieu. Pour chanter, faut gagner l'esprit. Pour jouer musique, faut gagner l'esprit. Pour faire caméra, faut gagner l'esprit. Pour efficace aux yeux de Dieu, il faut que vous gagnez l'esprit. Pécher contre Saint-Esprit veut dire les wap parler mal contre un serviteur ou bien une servante qui a l'Esprit Saint qui travaille avec elle. Et puis, ou même qui n'est pas converti, ou même qui n'est pas contre Dieu, ou même qui n'est pas contre la parole, qui s'est passé? Ou parler mal, ou parler mal, ou parler mal, ou parler mal. La Bible dit comme ça que, ou pas qu'il doit jamais joindre pardon devant mon Dieu. Autrement dit, qui est Dieu? Dieu est la parole. Nous venons de lire ce verset au chapitre 12 du livre de Luc. Voyons que la Bible dit, moi-même en somme avec, c'est pour nous reconnaître que Dieu, ou qu'il doit pécher contre Jésus le Fils, mais ou pas de péché contre Dieu, contre l'Esprit. Qui moune l'Esprit aille? L'Esprit a c'est Dieu. Et Dieu c'est l'Esprit. Comment l'Esprit a manifesté? L'Esprit a manifesté exactement la façon que vous lire et conserver la parole de Dieu. Maintenant, je vais répéter encore. Ça, c'est, je vais faire une réitération. L'Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'Esprit. Esprit plus Dieu. Il n'est pas égal à l'Esprit plus Dieu. Il est égal à Dieu. Dieu a formé son gouvernement en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pas de rien qui fonctionnait sans les trois. Pour caméra camper là, il est obligé de trois pieds. Et s'il pas trois, il doit plus. L'homme, ou bien lui là, et puis il finit. Ou bien plus que deux pieds.
Gardez-moi qui va vous dire, vous avez plus que deux pieds. Yo dit ou consacre ou gen deux pieds, ou ou gen deux pieds, mais ou gen plus que deux pieds. Parce que l'on consacre c'est quatre pieds ou gen. You got it? Baton quoi faut pour cet esprit.